tendre, elle me prend au saut. T'arrives avec mon café. Moi ça va ce matin, tout le monde là. Il fait super bon, il y a un ciel bleu, un soleil splendide. Je vous laisse, je vais terminer mon café. À tout à l'heure. Bonjour les chéris, d'ici, d'ailleurs, de partout ailleurs, même au Vietnam. Hein. Bonjour à tous, belle journée. Allez, la dernière fois que je prends ma voiture, Elle est toute émue. Ouais. Mais je l'aime bien. La 2008, la 2008, elle est bien. Elle est bien. J'ai bien aimé, donc je vais la rendre chez Peugeot parce qu'elle était en leasing. Et j'ai arrêté mon contrat de leasing, c'est-à-dire location-vente. Donc j'arrête le contrat, donc cette fois-ci, plus de voiture, il n'y aura plus que Coquelicot. Il n'y aura plus que Coquelicot. Voilà. Dernière fois que je la conduis et que je vais vers Libourne la rendre. D'accord. Bon, mais à tout à l'heure. Je viens de faire une connerie, j'avoue. Et c'est la première fois que ça m'arrive avec Foxy. Je suis montée sur un trottoir involontairement. En tout cas, merci d'être venu me chercher chez Peugeot. Je t'en prie. Non, mais non, tu mets ton museau devant, là, comme ça, plus personne ne me voit. Dis donc, Domino, t'en profites d'être à l'arrêt pour être sur la table. Hein. Coucou. Libérée de la voiture, plus de voiture, les courses faites. On peut y aller. Retour au QG avec Foxy. Avec Foxy et ensuite préparation de Foxy et de Coquelicot. De l'eau. Ambre, elle a déjà mis de l'eau. Il faut que tu prépares ta toilette. Toilettes, la boîte à caca, voilà. Moi, je dois vider ma boîte à caca, vider l'eau grise et remplir d'eau propre. Ouais, je sais. Il ne faut pas que j'oublie d'arrêter le gaz avant de rouler. Il ne faut pas que tu oublies d'arrêter le gaz avant de partir. Exactement. Allez. Ça y est, Cassie est la plus malheureuse. En tout cas, moi, je suis bien heureuse. Premier voyage prévu. Normalement c'était le 18, mais là on est le 17, on part une journée avant. Et là, direction Bordeaux. Je suis super contente, je fais attention à ma route. Devant, il y a Foxy. Je suis Foxy tranquillement. Regardez-moi ce temps, mes chéris. Même Madame Météo est avec nous. Allez, pousse-toi la voiture, je veux voir Foxy qui freine. Coquelicot, voilà.
cher Coquelicot. Vous n'avez pas vu encore. Mes chéris, vous n'avez pas vu Christa qui est garée là avec Foxy. Et celle que vous n'avez pas vue. Ah oui, vous avez vu le Novotel, vous avez vu l'Ibis. Mais regardez dans ces hôtels ce que eux, ils n'ont pas. Ils n'auront pas la vue au niveau de notre logement sur le lac de Bordeaux. Et voilà! Parce que là, nous, on est super bien. Domino fait connaissance avec les lieux. On est mieux qu'à l'hôtel. Et par contre, t'es belle, pleine de soleil. Je vais bronzer, là. Ouais! Alors en fait, tu vois, je pensais que... Bon, ça, c'est du beau temps, hein. Et toi, Coquelicot? Ouais. Bon, alors, regardez bien. Oui. Voilà, j'ai les deux, là. Voilà. Alors, premier petit contretemps qui me contretemps bien, ces convertisseurs ne fonctionnent pas. Donc demain, je dois retourner chez concessionnaire. Ouais. Voilà, on est superbement bien installé. Nous sommes jeudi 19, donc nous sommes partis le 17 et il s'est passé plein de choses. Alors bien sûr, Cassie a dû s'habituer. Hein? Alors maintenant, finalement, quand on roule, j'ai roulé plusieurs fois, bah, je ne l'ai même pas mise dans son sac parce que sinon, on dirait qu'elle est en train de mourir toutes les deux minutes. Donc détacher, finalement, c'est encore mieux. Je sais, on m'avait tellement conseillé de l'attacher, de la mettre dans son sac, que je l'ai mise dans le sac. Finalement, c'est mieux détachée. Elle se met dans un coin, elle ne bouge plus, elle est rassurée, voilà. Beaucoup de sensations, bah, bien sûr de la joie, mais alors il y a eu des contretemps. Premier contretemps, le convertisseur ne fonctionne pas. Alors, il se met en route et puis après il est au rouge et donc je ne peux pas utiliser mon ordinateur. Bien. De toute façon, c'était un voyage test. Et bien, heureusement qu'il y a le test. Et puis, il faut bien des contretemps. Hein, ça fait partie de l'aventure. Alors, c'est pas grave. Mais bon, c'est pas agréable puisque je ne peux pas travailler. Et puis même, j'ai payé pour un convertisseur. Donc là, c'est bon. Alors vendredi, ce vendredi, donc demain ou mardi, ils reçoivent un autre convertisseur, un mieux, paraît-il même, que celui qu'ils m'ont mis. Et bien sûr, ils m'en font cadeau de la différence de prix. Puisque après tout, je suis sous garantie. Et bon, voilà, je
me retrouve un peu dans la panade. Deuxième contrariété. Donc, comme je l'ai dit précédemment, bah, nous sommes garés sur un parking autorisé pour camping-car. Il y a même la police qui est passée. Ils ne nous ont rien dit. Ils nous ont même fait coucou. Voilà, sourire. Parce qu'après tout, on ne fait rien de mal. On est au bord du lac de Bordeaux. Et ben, j'étais dans le camping-car, tranquille. Et j'ai subi un choc. Et oui, une voiture est rentrée dans Coquelicot. Encore une fois, une grosse contrariété. Constat, et avec tout ce que ça implique. Est-ce que c'est grave? Non. Mais voilà, encore une contrariété. C'est le voyage test. Donc là maintenant, ben, je vais modifier complètement mon emploi du temps. Puisque demain, je vais sûrement passer la journée chez le concessionnaire à attendre l'expert. J'ai vite téléphoné à mon assurance qui m'ont donné les directives pour agir au plus vite. Puisque je n'aimerais pas annuler quand même le départ du 2 mai. Par contre, là je me vois dans l'obligation d'annuler mon projet de reportage auprès de la convention du book crossing de Crissa, parce que moi bah, il faut que je m'occupe de l'expertise, il va falloir que je mette sûrement Coquelicot pendant plusieurs jours en réparation, donc je ne sais pas du tout. Alors bien sûr j'essaie de me dire c'est pas grave, après tout je me lance dans l'aventure, il faut des contretemps. Bon, bah peut-être que je cumule les contretemps du début et qu'après tout va rouler tout le temps, je n'en sais rien. Je suis un peu, je te l'avoue, je suis un peu en demi-teinte parce que là, c'est, voilà, de toute façon, je pense que, je sais pas, je ne réagis peut-être pas aussi cool, etc., que je devrais réagir, mais... Peut-être parce que je suis tellement dans le rêve encore, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, non, ça ne me fait pas plaisir de voir maintenant courir. Finalement, heureusement, il y a quand même ma maison, le QG. L'assurance m'a dit que comme j'avais 100% raison, pendant les réparations de Coquelicot, ils me fournissent une voiture, un véhicule gratuitement, il n'y a pas de souci. Mais par contre, bon, ben voilà, il faut vite que je rentre chez moi. Demain, après l'expert, ben je rentre chez moi et puis je vais vider un maximum de choses de Coquelicot et puis travailler depuis chez moi plutôt que d'être à Bordeaux avec Crissa pendant toutes ces journées-là. Bon, et puis vendredi ou mardi, ben, ils vont me charger le convertisseur pour que je puisse travailler. Voilà, un peu chrogneugneux quand même là aujourd'hui. La suite des événements, je ne sais pas comment ça va se passer vraiment. Je vous ai donné mon Instagram, allez-y, parce que même si je n'ai pas d'ordinateur, etc., là j'ai pris celui de Crissa. Donc je vous ai dit que normalement je rentre chez moi, donc là je pourrais faire des vidéos. Il n'y aura pas de problème, mais Crissa a besoin de son ordinateur tous les jours, à partir de demain pour sa convention. Donc n'hésitez pas, je vous tiendrai au courant. Si jamais ça tourne, on ne sait pas avec l'imprévu, je vous tiens au courant par Instagram. Sur Instagram, je vous fais des photos, je vous fais des petites vidéos, je vous promets que je vous tiens au courant. Ça sera plus léger par Instagram. Donc n'hésitez pas, mes chéris, à jongler entre YouTube et Instagram. Je vous tiens au courant. Je vous fais plein de gros bisous. Surtout si vous avez eu des galères un peu comme ça, n'hésitez pas à me raconter. Mais dans l'ensemble quand même, je suis très contente. Bisous.